qui est celui qui a un témoignage que l'Éternel l'a abandonné? Qui est celui qui a un témoignage que Dieu n'a pas accompli sa promesse? David a dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Il est fidèle. Tu ne m'abandonnes pas. Mon berger roi, ton regard est sur moi. Emmanuel. Joignons nos voix et chantons Emmanuel.
c'est ma terre qui pleure pour que ça nous le confessons. Oh, alléluia. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oh, il n'y en a on jamais. Plus fort que ça, il veut l'entendre. Oh, tu es Seigneur. Acclamation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons-le. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en aura jamais. Tu es le seul Seigneur. Le Créateur du ciel et de la terre. Les visibles et les invisibles. Trône. Et dignité ont été créées par toi. Tu es Seigneur, dont Dieu a fait de toi, Seigneur, la parole qui a créé les visibles et les invisibles. Nous te rendons gloire et grâce. Prends la place du roi ce matin. C'est toi le roi que nous célébrons. C'est toi le roi qui a vaincu la mort par l'immortalité. C'est toi qui donnes la paix à celui qui est troublé. C'est toi qui donnes la joie à celui qui est, mon Dieu, dans la tristesse. C'est toi qui donnes la guérison aux malades. C'est toi qui amène ceux qui sont perdus. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance au nom de Jésus. Nous déclarons et nous disons Amen. Veuillez vous rasseoir, que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Merci.
été notre signe. Quoique c'est la saison de pluie, mais c'est un signe pour moi. Nous disons merci au Seigneur. Nos bien-aimés qui viennent de la Corée, viennent de l'église de Yoido, l'église qui dirigeait le pasteur Yonggi Cho. Vous savez, il fit le président international des assemblées de Dieu dans le monde. Et puis après, il a pris la responsabilité de toutes les églises pentecôtistes et charismatiques dans le monde, vu la grâce que le Seigneur a mis dans sa vie. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Merci aussi pour la présence de notre frère Wisco, qui nous reçoit lorsque nous allons au Maroc. C'est celui que nous logeons. Il y a une chambre qui est là pour moi. Et chaque fois que je vais là-bas, il me dit, papa, à l'hôtel. Non, non, venez à la maison. Que le Seigneur vous rende au centuple et qu'il vous bénisse. Amen. Merci. Merci pour de tels jeunes gens. C'est un jeune homme qui a terminé. Il est en consulting. Il est dans tout ce qui est des histoires de la santé. C'est son domaine. Merci au Seigneur. Merci aussi à l'Union musicale. Que le Seigneur vous bénisse pour ce moment d'adoration et de louange. Merci. Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elle la vie, mais c'est elle qui rend témoignage de moi, dit Jésus. C'est notre thème, est toujours dans Jean, le chapitre 5, le verset 39. C'est là où nous sommes et nous allons continuer ce matin dans une autre pensée. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie. Le pasteur Valérie est là, s'il vous plaît. Jean 5, 39 à 40. 39 à 40, la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Gloire au Seigneur. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire à des hommes. Mais ce matin, nous voulons voir dans ces écrits-là qui rend témoignage de Jésus, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La personne centrale, c'est Jésus. Dites à quelqu'un, la personne centrale dans la Bible que vous lisez, c'est Jésus. À gauche et à droite, parlez à quelqu'un. La personne centrale, c'est Jésus. Vous voulez chercher quelque chose pour avoir la vie, même pour la bénédiction que vous cherchez, c'est en Jésus seul, que vous pouvez trouver. Aujourd'hui, nous sommes même les noms Église, même dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous voyons des gens glaner par-ci, par-là des choses et nous oublions la substance, le noyau. Celui qui est la vie dans les Écritures, c'est Jésus. Et dans la conclusion même de ces chapitres, de ces livres de Jean, au chapitre 20, verset 31, il dit, tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout ceci a été écrit. Qu'est-ce qui est écrit? C'est dans cette parole. Il y a eu des choses, des miracles que Jésus a fait qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais le but de la parole de Dieu n'était pas pour nous révéler le miracle, mais de nous révéler une personne, Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que c'est celui qui est venu manifester ses dieux transcendants. Transcendant un Dieu élevé, que les autres le cherchaient par les étoiles. Les autres pouvaient le chercher